Salut leur Edith, ça va être trop bien. Smash Bros Ultimate, enfin je pourrais y jouer. Oui, bon, j'ai pris le truc à 90 balles là, avec tous les DLC. Mais bon, j'avais tellement de gold points avec tous les jeux que j'ai achetés. Je crois que ça coûtait que 80 balles. C'était pas dégueu en vrai. Alors, il paraît que toucher les joysticks, ça annule la cinématique. Ah, c'est beau! Ah, c'est stylé, putain! Ah, Solid Snake, Cloud. Yeah, appuie sur un fucking button. Ah là là, ça m'a tellement allumé, hypé tout ça. Tundrex. Ah, c'est les DLC ça. Tundrex. Souvenez-vous à jour. Il y a déjà une nouvelle version. Plein de piranhas. Non, s'il vous plaît. Oui, super. Donc les, vous avez commencé à jouer Super Smash Bros. Super. Une brasse de galets. Tellement de trucs. Du coup, mais comment je fais pour avoir la plante là? Même si c'est de la merde, je la veux. Toi là. Ta-na-na-na-na. Vous avez une version super physique, vous devez avoir collecté. Genre je me suis fait enculer du coup. Parce que moi je l'ai précommandé. C'est vrai que j'ai dû l'acheter, il était genre minuit et quelques, déjà passé. Du coup, est-ce que je me fais enculer sur la plante? En option. Viens, vas-y, mets à jour. Ok, j'ai déjà tout. Super live en tout cas. Hein. Non, c'est chiant. Verrai très certainement ça plus tard. Alors du coup, esprit en ligne extra. Smash, hein. Combat normal, tournoi, Smash spécial. Du coup, c'est Esprit la campagne? Aventureux, c'est ça? Bah, go faire la campagne, hein. La lueur du monde.
Normal. Du coup, normalement, on commence avec Kirby, je crois. D'après le cinématique. D'après cette cinématique. Ah, putain. Sachant que les mains sont les boss des anciens Smash. Et elles sont déjà ultra dures. Et là, il y en a 4 milliards. Killer. J'en ai des frissons, c'est fou. Ça me fait tellement mal de les voir mourir les uns après les autres. Même si ils meurent pas vraiment, mais. Oh, ça fait. Ah, toutes ces icônes, quoi. C'est horrible! Bon, toi, je m'en fous, Bayonetta, mais là. Mais non, mais. Ah! Je souffre tellement. Mon âme de fan souffre. Attends, il va y avoir Solid Snake, c'est le plus drôle. Adieu Palutena, Pete, Solid Snake, il se cache dans son carton de merde. Diddy Kong, Harmony, les nuls. Et là Kirby, le seul survivant. Kirby surcheaté, hein. Kirby ce strebon. Ainsi l'univers tomba sous le joug de la lumière. Elle avait dévoré ceux qui s'étaient opposés à elle. Quant aux autres, ils perdirent leur corps et devinrent des esprits. Qu'est-ce que je suis allé de ces mots? Mais il y eut un survivant. La petite boule rose! Une lueur d'espoir scintille encore dans l'aube de ce nouveau monde. J'en ai des frissons! C'est tellement fou! La campagne, elle est trop bien! Parce qu'il n'y avait pas de campagne dans le celui sur Wii U. Enfin, c'était juste des missions comme ça, nul, mais. Ils se recouvrirent de miel magique. Et en dessous, ça crée une copie en statue. Paf. Killer copia les combattants vaincus pour créer des pantins à leurs images. C'est bien, il s'explique. Puis força les esprits capturés à les contrôler. L'armée de pantins ainsi créée se répandit sur ce qu'il restait du monde. Serait-il possible de libérer les esprits de l'emprise de Killer? Oh, c'est tellement flippant. Y a-t-il encore un espoir pour les combattants vaincus? Tous ces personnages qui sont censés être ultra badass, ils deviennent méchants, c'est horrible. Les combats contre Killer ne faisaient que commencer. Tous ces héros qui sont faits rect par un vieux Hadouken. Yeah. C'est loin. Ok, Killer, il est tout là-bas. Doum. Ah d'accord, je peux juste faire au bas, je peux pas vraiment me balader. Molosco fumant.
Ouais. Ben, les esprits sont des êtres dont le corps a été volé par Killer, le maître de la lumière. Ils sont désormais sous son contrôle, leur conscience piégée dans des copies de combattants. Lorsque battez la copie d'un combattant, vous secourez par la même occasion l'esprit qui était prisonnier. C'est de s'ouvrir un maximum d'esprit. L'esprit primaire influe sur l'attaque et la défense. Pour renforcer vos combattants, c'est sur eux qu'il faut miser. Ah, d'accord. Formation. Du coup, normalement, j'ai déjà débloqué un. Hein. Voilà. Esprit de soutien. Vous n'avez pas osé. Ok. J'ai foutu Bras Gali qui fait une puissance d'attaque de pied. À l'attaque! Molosco fumant, qui contrôle Mario. Ah, c'est bien Pikmin, c'est bien ce qu'il me semblait. La musique faisait très Pikmin. Alors. Oh, tiens! Quoi? D'où je me fais rect? Tiens, tiens! D'accord, le mec qui triche en plus. Paf! Yes! J'ai gagné mon premier combat! Fumant! Qu'on attaque, il explose, il déploie des piqûres. Noah, Carbini! Ah non, c'est Bras Gali niveau 8! L'esprit que vous sauvez se joigne à vous. Chaque esprit est différent et peut vous aider à sa façon. Si un esprit primaire dispose d'une case libre, vous pouvez lui associer un esprit de soutien. L'esprit de soutien dispose de talents spéciaux. N'hésitez pas à tous les expérimenter. T'as cool. Ah, quand Kirby dans les airs, il peut effectuer jusqu'à 5 sauts. Kirby, ce héros. Oh, Evoli. Ah, Evoli qui contrôle Yoshi. Du coup, on débloque juste les esprits ou on débloque aussi les personnages? Ou alors les combattants sont déjà tous débloqués? Non, je pense que là, du coup, j'ai débloqué Mario, non? Ah non, j'ai le droit qu'à Kirby pour l'instant. Genre, on fera toute la campagne avec seulement Kirby? Attaque! Cette musique, c'est Pokémon! Pam pam! Ah d'accord, on est sur un terrain qui appartient à l'esprit et pas au personnage. Tiens. Et du coup, il a le totem, enfin le l'aide d'Evoli. Quoi? Ils sont plusieurs. Non. Alors, le sang t'es mort là. Non. Oui, donne-moi ça, toi. Ah, c'est la musique de Pokémon, mais c'est pas un terrain de Pokémon. Putain, il y a des. Il y a des. Il y a des cooldowns, enfin des cooldowns, pas du tout. Des arrêts sur image. La musique est super bien. J'aime beaucoup le thème, je sens que je vais le télécharger. C'était l'île de Yoshru. Céleste. Attaque. Mon doudou, il est pas possédé là. Ah si, il a les yeux rouges. Allez. Tiens. Viens l'enfoiré. Ah, il y a un écran pour nous dire où il est rendu. C'est stylé. Viens là, moi je te déboîte. Alors il s'est endormi et ça m'a tué. Super. Allez, dégage. On veut pas de toi ici. Quoi? Paf! Ah là, tu dégages quand même. Faut pas abuser. Voilà. Je scanne plein de trucs. Bras Gali niveau 21. Parce qu'il ne peut pas évoluer, malheureusement. Nous, comme un figa. Je vous les amis, ils font quoi?
Oh. Et là, on va débloquer le vrai Mario. D'accord. Combattants sont servis à produire des copies d'eux-mêmes. En libérant les combattants originaux, vous en ferez des alliés. Et là, du coup, on va débloquer Mario. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il est déjà débloqué si on veut juste faire un smash entre potes? Oui, là on le débloque juste pour la campagne. Tu vas te... Eh non! Alors. Non, enculé. Ouais, je me demande, est-ce qu'il y aura Capi du coup avec Mario? Mario fait son entrée! Du coup, maintenant, je peux jouer avec Mario dans la campagne. Vous pouvez changer de combattant. Bouclier, il y a, peut bloquer les projectiles lorsqu'il est équipé. Hop. Là, du coup, j'ai envie de voir un autre talent. Quitter. Encore plus, je peux pas quitter encore plus. Option. Sauvegarder. Ça peut être intéressant, en effet. Comment je fais pour revenir à... Ah là, je reste appuyé. Oh, je débloque des trucs. D'accord. Vous avez joué au mode aventure pour la première fois. Et du coup, là, mode smash, combat normal. Ce qui est tout le monde. Nouvelle autre. Vas-y, ça, on s'en fout. Ouais, ça s'en fout, mais on va choisir nos persos. Ah, d'accord, donc pour l'instant, il n'y a que ça. Donc faut que j'ai on les débloque en combattant ou on les en... dans la campagne. Pour l'instant, ok, Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi. Ouais, donc les grands représentants des grandes licences de Nintendo, quoi. D'accord. Donc il y a pas mal de trucs à débloquer. Alors, personnellement, de mon côté, je sens que j'ai beaucoup joué, pas tout le temps forcément en live. J'essaierai de faire le plus possible l'aventure en live. Mais ce week-end, je peux pas live, mais je vais jouer, ça c'est sûr. Un gardien! Trop bien, un robot dans un robot! C'est stylé. Oh, donc on est sur la map de Breath of the Wild. Pourquoi il est énorme lui? T'es un petit peu trop gros je trouve, hein, Rob. Ah, on est en mode PV, d'accord. Donc là, faut juste que je lui déboîte sa race. Paf! C'est quoi cette toupie? J'augmente plein de trucs. Transforme en Bilbao et foncez à travers l'écran. Ah, il y a plein de chemins différents. Il y a combien de temps à chaque extrémité de l'intersection? Choisissez bien celui que vous voulez sauver en premier. Alors là, il y a qui? Shake, Marth. Où est la joie? Shake, attends, tu me prends pour qui? C'est Zelda en premier, bien évidemment. L'exercice un type qui donne la... Bah bien sûr, c'est bon, je déboîte. Shake. Tiens.
Il est où ton avantage là, hein? Eh, viens là, ma petite chèque. Ah, elle a une voix assez féminine, c'est bien. Même si techniquement il voulait se faire passer pour un homme, je pense que Zelda l'aura. Elle a gravé sa voix quand même. C'est vrai qu'il y a ça. J'ai pas du tout lu comme un connard. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole les deux autres? Ah, il m'empêche de les... D'accord. Connard. Metal Sonic. Qui est dans Sonic du coup? Il y a une meilleure défense. Oh, cette musique des enfers. Non. Putain, mais ça fait pas du tout Smash cette musique. Certes, ça peut faire Sonic, mais ça fait pas Smash du tout. Mais c'est un combat de PV, connard. Putain, mais c'est le générique de Sonic, ça! Allez, là, on fait les attaques. Voilà, ça c'est du jeu Smash, là. On fait n'importe quoi et ça fonctionne. Blablabla. J'aime bien que le POW secoue l'écran. Et genre là, ce chemin-là, je les débloque genre plus tard. Docteur Chaga dans Mario, dans Docteur Mario. Non, ça fonctionne, c'est bien. What the fuck? Oh, salope. Non mais je me suis fait avoir par le putain de vaisseau de Limar là. Nanana. Alors. Par contre, il va falloir apprendre à se calmer. Mais bien sûr, je veux recommencer là. Même si le jeu, il est dur. Par contre, faut se calmer avec les items là. Ah, fallait que j'en éclate qu'un seul. Ah, fallait que non, fallait que j'éclate Mario. D'accord. Et les encas, je m'en sers vraiment pendant les combats ou ça se passe comment? Mais attends, contre.
contre Pac-Man. Pam. Bâtard. Non mais par contre tu vas te calmer, je t'ai dit. Mais il lui restait cette putain de PV! Bien sûr qu'on recommence. Jeu de Seymour. Jeu de Seymour, jeu de Seymour. Lancer une cocotte. T'es qui les bombes? Ouais, hop, ça dégage. Connard. Mélie et Mélo. Je pense que je vais en avoir deux, villageois. Il a joué à queue. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas que c'est un poil infâme ce qui se passe là. Non, salaud! Bien sûr, on va essayer. C'est dur, j'aime ça. C'est dur. Dur, dur d'être bébé. Ta-da-da.
J'étais en mode Smash Ultime là. D'où j'ai eu la boule Smash? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Maintenant, faire des affaires avec Mini Mello. Oh! C'est bon d'esprit pour gagner pour faire des achats. Je sais même pas à quoi ça sert les encas. Oh! Esprit primaire. Stylé en vrai. Elle vient d'où, Yori? Tam. C'est quoi, elle vient d'un jeu d'horreur où tu dois prendre des photos? Ah, ça me dit quelque chose du coup. D'où vient de me foutre une giga attaque smash qui m'a one shot? Alors que j'esquivais juste Yuri. Jeu de saumon. Tiens! Kirby, tu peux le faire. Je suis mort là. Elle me touche une fois, je suis mort. Oh, c'était nul. Oh putain! C'est chaud! Elle est dure, mais avec l'autre connasse derrière qui me prend photo, c'est infâme. Là 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 là. Tiens! Comment ça? Putain, mais ce trophée, il est infâme! Jeu de ses morts. Je, oui, jeu de ses morts. Tiens. Mais putain, mais c'est infâme, ce trophée. Pas la niquer en vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais changer là-dedans là?
sais pas, je vais voir si je peux la narrer. Parce qu'en vrai, elle me pète les couilles. Non, c'est un trophée, les trophées, on peut pas les toucher. Voilà, je peux pas. Nique ta mère avec ta photo. Non. Oui, voilà, c'est bon. Non, laisse-moi. Voilà, tu m'as loupé. Allez, maintenant c'est le moment où je fais du dégât. Saloperie! Mais quoi? Mais d'où? Viens là, je te déboîte là. Mais d'où elle me fait une attaque Ultra Smash comme ça? Salope! Vas-y, prends un autre perso. Point. 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 Oui, allez, je prends shake. Tu peux changer de couleur? Ah si. Ah, la stylée celle-là. Allez hop. Shake contre Zelda. Autrement dit, Zelda contre Zelda. Je peux se mettre un esprit de défense. C'est un petit Metal Sonic le plus mieux. Puis toi là. Puissance de saisie, je m'en fous. Attraction des objets, vas-y. Yuri Kozukata, la salope. Ouh, hop là. Hop. Allez, apprends à prendre des photos. Salope. Ah. Oh. Oui, Zelda, non. Mais le sang t'es mort, toi, putain. Mais d'où? D'où? Tiens. Plus qu'il de photos. Plus qu'il. Oh non, j'étais pris dedans. Oui, mais ça me rajoute 39%, mais je te sais mort, quoi. Non. D'où? Mais quoi, mais... Je suis parti ailleurs. C'est bon, il m'a saoulé. Elle m'a saoulé, j'abandonne. Je vais ailleurs. Elle m'a saoulé. Salope. Il y a quoi par là? Petite beach. Avec un mec de Splatoon apparemment. Anne. Tiens, comment ça? Tiens, je connais pas encore bien les attaques de Shake. Calme-toi là! Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais à gauche, le perso il partait à droite comme un mongolo. Oui, en 98 dans Ocarina of Time, on le sait.
Moi aussi, je veux ces champis de ce mort, là. Mais je comprends rien! C'est quoi, c'est les champis, ils modifient mes boutons, c'est ça? C'est infâme. C'est strictement infâme. Non, me touche pas avec ça. Tiens, allez hop, ça dégage. Non, mais putain, mais les touches sont rechargées! C'est infâme. Mais le combat de trisomique. Non mais Shake, il a pas d'attaque de pas bonne mode d'attaque smash, c'est horrible. Non, Shake, c'est un perso nul. Il faut surtout jamais le jouer. Je vais reprendre Kirby. Je pense que ça partirait mieux pour. Et je vais me remettre mon Brazegali avec lui là. Jeu de ses morts. Oh, la salope! Paf! Quand on a un vrai perso, ça fonctionne! Alors, c'est quoi ce coffre? Plein de points d'esprit! Petit esprit primaire. Moi je suis juste au pif. Hop.
Rapido et Ramolo. La DSR adore les objets. D'accord, j'ai gagné. Mais pourquoi pas après tout, hein? Pourquoi pas? La saleté de clébard. Quoi? Pourquoi Barry, elle a une attaque match? Ah, épistémie. C'est le boxeur Mi aussi, qui est un très bon personnage dans Smash d'avant. Ouais, vas-y, Maxence. Le sang, t'es mort. Guten Tag. Salut, t'es toujours live, bien évidemment. Tiens. Salaud. T'as réussi du coup au final? Ah. Hein? T'as réussi à préférer au final? Non, je suis parti sur d'autres combats. D'accord. Du coup, c'est quoi le principe du jeu d'après le trailer? C'est des clones ou quelque chose comme ça? Hein? Il y a eu des clones ou quelque chose comme ça? De clones de quoi? Bah, des persos, et tu les combats ou... Oui, c'est ça en fait, c'est l'histoire. T'as un être de lumière qui s'appelle je sais plus comment, qui a déboîté tous les héros avec ses rayons Ouais, mais ce que lumière. j'avais pu comprendre, bah, ce que je pensais, c'était genre les joueurs, c'est censé être les joueurs, vu qu'il y a des mains partout, qui contrôlaient les mecs. En fait, c'est il a capturé les corps et les âmes d'à peu près tout le monde, et il a foutu des âmes des méchants dans les corps des gentils. Et là, du coup, tu déboîtes les gens pour que les âmes des méchants se battent. Et après, du coup, après, tu peux équiper les âmes pour te rendre plus fort. Et là, je me bats contre le corps et pas contre une âme. Et donc, du coup, je débloquerai ce personnage à la fin du combat. Paf! Voilà, victoire. Personnage débloqué. C'est un nouveau ça? Il était déjà dans le match d'avant. Maintenant pour les smash que vous avez joué. Bon allez, c'est vrai que j'ai pas vu encore ce qu'ils faisaient les amiibos. Ça fait un com, ça fait apparaître un combattant, pardon. Bah, par rapport à l'histoire, c'est un peu con du coup, parce que c'est déjà plus de débloque. Ou alors, je vois peut-être Voilà. un perso qui est pas dans l'histoire. En tout cas, la map est ultra kawaii. C'est joli. Du coup, là, oui, après, il y a quoi là?
Putain, c'est vraiment un perso jouable, ça? non, t'as les persos jouables qui sont les grosses stars, Ouais. et t'as les objets, les personnages trophées. En fait, c'est des petits trophées que tu récupères dans en partie, c'est des petits objets, et tu peux les utiliser, et du coup, ça devient un personnage de soutien pendant X instants. Et donc, la D'accord. connasse avec son appareil photo, ça, Ok. c'était un personnage trophée. Donc là, il y aura un personnage trophée, par exemple, ce sera le lapin Mario. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, c'est l'âme du lapin Mario qui est dans Mario. D'accord. Logique. Voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour ce live. Bah la bise, hein. Salut.